What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'aspect sur la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. J'ai fait quelques épisodes que j'ai supprimés malheureusement, alors pas qui étaient postés sur ma chaîne YouTube mais que j'avais tourné. Et je vais pas vous les mettre parce que j'avais galéré comme une pauvre merde parce que mon personnage n'était absolument pas assez puissant. Donc j'ai fait pas mal d'objectifs secondaires entre temps et vous allez voir que je suis devenu assez badass. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller s'attaquer à un des 4 chefs de guerre que l'on doit tuer. Donc on a déjà tué un, hein, voilà, donc un des 3 derniers qui reste d'ailleurs. Attends, je dis ça, mais... on a l'opportunité d'en tuer 4. Faut que j'en tue encore 3, mais j'en ai 4 disponibles. Enfin bref, ça fait un bonus. Donc on va aller là-bas et on va tuer le premier, voilà, que j'ai donc sélectionné. C'est le plus proche, hein, donc tant qu'à faire. Voilà, voilà. C'est avantageux. Par contre, je pars vers où là? Je suis où moi? Donc, je suis là. Ouais, c'est bon, je prends le bon chemin. C'est juste qu'il y a une sorte de grosse montagne là à gauche qui bloque. Ce qui n'est pas trop grave. Voilà, voilà. Donc vraiment, je suis beaucoup plus puissant. Vous allez voir que j'ai pas mal de nouvelles compétences. Et que je suis assez violentissime. Je me suis bien entraîné, etc. Vous allez voir que in fight, ça risque de faire très très mal. Par contre, je vous promets pas de réussir. Voilà, vraiment je vous promets pas parce que même si je suis fort comme un dieu maintenant avec mes compétences, c'est limite pas suffisant pour réussir les quêtes où il faut tuer les chefs de guerre. Attendez, alors là, j'avais tué un capitaine et j'avais pas récupéré la rune. Donc bah voilà, tant qu'à faire, ça fait... bah voilà, je viens la récupérer, voilà, c'est sur le chemin. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc, je vais pas vous mentir, je suis fatigué. C'est parce que, bah, en fait, j'ai passé ma journée à améliorer mon personnage. Si tu fais crier cet Uruk, son maître répondra présent. Voilà. Donc là, il va falloir que je saisisse, voilà, empoignez et ne relâchez pas le partisan. Donc apparemment, il lui tient... Enfin, il aime bien ce partisan-là en particulier. On va voir ce qu'on va faire, il faut que je me concentre, ça va être vraiment très chaud. Déjà, lui, hop, regardez ce que je peux faire, tac, direct. Boum, tranchage de tête. Là, au moins, ça c'est fait. On va grimper. Si possible. Ah, on dirait pas que c'est... C'est la première fois, il s'est dit non, je vais pas y arriver. Allez, continuons. Voilà, on va assassiner celui-là furtivement. Ah, donc là, on est bon. Au pire, de toute façon, je me fais repérer. Ils envoient, ils peuvent envoyer toute leur forteresse sur moi. Je vous jure que je les gère. Hein, vraiment, je les gère maintenant. Mais le souci c'est pas ça, c'est qu'il faut vraiment que j'empoigne le mec. Et si je le tue, c'est échec de la mission. Donc faut pas trop que je m'échoue. Alors attendez, je bouge un petit peu mon micro là. Désolé pour les petits bruits dégueulasses. C'est pas trop près de ma bouche. Donc vous allez entendre des petits grésillements dégueux, hein, des soufflements en fait. Ce qui n'est pas agréable. Alors voilà, ma cible est là. Ça va être compliqué d'agir parce que effectivement il est très bien entouré. Alors déjà, on va tirer une flèche là, regardez, ça va les faire exploser. Voilà. Et ils savent pas où je suis. Ah si, si, ils savent un peu où je suis quand même. Ok. Ah! Pourquoi? Le partisan a été tué? Ah merde, ah ouais d'accord, donc vous avez vu, c'est ça le véritable souci de cette mission. Là j'ai tiré sur le feu, je pensais que j'allais tuer que les 3 mecs qui se réchauffaient quoi, mais non, ça allait trop loin et ça a tué le partisan. Donc on va lancer la deuxième tentative. Ah c'est vraiment pas, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple. C'est les grosses grosses missions. Là on est à la moitié du jeu. D'ailleurs pour m'aider à trouver des solutions, tout non, bah, je suis allé sur les solutions internet et il n'y en a pas. C'est à dire que bon il y en a une sur le jeu, mais elle s'arrête pile poil à l'endroit où bah, où je me suis arrêté quoi. C'est à dire que sûrement le créateur de solutions lui-même n'arrive pas à passer ses passages. Qui sont vraiment ultra hardcore quoi, faut pas se mentir, c'est juste abusé à quel point ils ont pu mettre de la difficulté dans ces missions où il faut tuer chef de guerre. C'est... Alors attendez, on va y retourner. Donc là il me donne un indice, il faut que je la tire, ça c'est sûr, je savais qu'il fallait que je la tire, mais j'avais déjà essayé ça une fois, et franchement ça a pas fonctionné quoi. Attendez... Ah, toi, je sais pas pourquoi ils regardent les murs, ils aiment bien, c'est leur délire à eux. On va les laisser, hein. Donc, tuer 2 mecs furtivement, on passe par ici, tac, 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 on se planque. Voilà, attendez, alors, merde, ah, je me suis un petit peu trop...
Je me suis un petit peu trop révélé à lui. J'espère qu'ils m'ont pas vu. Ils sont cons, hein. Ils sont très cons, les orques. Ça, c'est cool. C'est très cool pour nous. Donc, on va la tirer. Il va falloir qu'on l'empoigne. Alors, attendez, je me déplace un peu. Attrape-le! Ça, voilà, ça ne marche pas exactement. Bon, c'est pas grave. Hop! Regardez ce qu'on va faire. Maintenant, j'ai plein de tirs d'elfes en stock. Attendez, vous savez quoi, tant qu'à faire, on va faire la technique cheatée pour les tuer. C'est-à-dire ça. Voilà. En plein milieu d'un fight, je peux le faire. Hein. Ça, c'est pas un problème. Faut juste pas que je me trompe de cible. Ah, ils sont chiants, ils sont chiants. Non! Toi, mon gars, tu vas pas le faire, ça. Tu me fais pas le coup. Voilà, donc tac. À tous ces alliés, ils vont vite dégager, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour moi. Hop. Regardez ce que je peux faire aussi en combat. Je passe derrière l'ennemi et boum, directement je lui mets une marque. On va lui exploser la tête. Boum. Bon bah tu vas venir là. Je peux l'attraper ou... Mais pourquoi je peux pas... Attends. Faut que je reste appuyé peut-être. Ah voilà. Alors je fais quoi? Bah il crie là. Il faut que je le tienne pendant 13 secondes. Ah voilà, il est en train d'appeler à l'aide. Super, on va réussir. Je suis content là. Vous avez vu, je suis devenu vraiment très fort. Allez. Le chef de guerre va se ramener. Ah ah, croche, la langue est arrivée. Ah putain, par contre, il amène un capitaine avec lui. Bon, évidemment, lui, on le tue. Voilà. Ah, il est pas mort. Non, pas d'un contre un, tu vas juste décéder rapidement, s'il te plaît. On va t'exploser la tête. Boum. Ah, j'aurais peut-être dû lui faire un drainage. Merde, j'ai déconné, là. Je l'aurais drainé, ça m'aurait bien aidé. Alors, ce qu'on va faire, deux secondes, c'est tac. Donc, on s'attaque à la langue. Donc, armée de Sauron. Normalement, je connais ses forces et faiblesses. Dégâts par coup finé au combat, peut-être blessé par coup finé au combat, super. Et les dégâts attaque distance, ouais. Donc, il fallait vraiment que je draine quelqu'un. Donc attendez, on va le laisser avancer dans, voilà, dans son délire pour l'instant. Il sait pas où on se trouve réellement. On va passer derrière lui, faire un drainage furtif. Hop, je peux le faire en chaîne, hein. Voilà. Tac, et je vais lui... Ah bah, il a explosé. C'est ballot, ça. Allez. On va l'avoir. Attaque à distance. Boum. Headshot. On continue. Encore. Ah putain, ça c'est ballot. Merde. Lui il veut... Ah, non, tu le feras pas. S'ils mettent l'alarme, c'est la merde, hein. Je vous préviens. Dès qu'ils mettent l'alarme, fou, c'est la fin du monde. Ils envoient 3 milliards de soldats. Il décède. Tant mieux pour moi. Putain. Attends, je vais t'avoir... Non. Regardez. Quoi? Oh, il m'a OS. Putain, ça valait le coup de perdre 4 heures de ma journée à augmenter la vie de mon perso en plus. Attends, mais là, tu vas vraiment mettre l'alarme. Je suis déjà remort. Non. Oh non, j'ai appuyé sur une touche sans faire exprès en essayant d'appuyer sur le triangle. Oh. Bon bah, j'ai échoué. Oh là là, et en plus, ça va augmenter encore une fois l'armée de Sauron, leur puissance. Ah, c'est... C'est-à-dire que même quand t'arrives à faire venir le chef, et moi, limite, je pensais que c'était le plus dur, mais regardez le chef, quoi. Enfin, putain, il fallait qu'il soit accompagné d'un capitaine. Et déjà, en plus, il one-shot, le gars. J'étais full life au moment où il m'a mis son coup de lance, là. Et après ça, il y a l'autre. À peine je me relève, il me tire une flèche. Je pouvais rien faire pour contrer ça. Ah non, c'est très moche. C'est très moche, ce que je me prends. Mais tant qu'il n'y a pas de mission chef de guerre, c'est moi qui fais la loi, hein. J'explose la gueule à tout le monde, voilà. Ils me repèrent, c'est pas grave, je gère tout le monde. Mais là, eux, vous avez vu, ils m'ont OS. C'était même pas question de tu peux te battre un petit peu, non, c'est OS. Point barre. Hop, on va libérer le Caragor pour foutre un peu la merde, voilà. Ah, c'est... On s'amuse. Lui, hop, ça me fait de l'XP bonus. Voilà, c'est cool. Y a pas un mec qui va m'aider à aller plus vite. Voilà, toi par exemple, regardez, comment on gagne du temps. Voilà. C'est pas énorme, ça, c'est énorme. Juste, allez, hop, on accepte. Ça va être chaud, ça va être très chaud. Ah. Super, on a plus besoin de faire
Ok, on n'a pas besoin de faire la petite mission avant. Ah, c'est cool ça. Putain, ils ont été gentils, ils ont vraiment été gentils avec nous. Attendez, oh merde, j'ai lancé une dague. Ça va, ça atteint personne, donc je me suis pas fait repérer. On va tirer là dans le feu. Ça tue pas mal de monde. Tac, là, direct. Boum. Mais il veut mettre l'alerte. C'est pas worse, donc tu dégages. Toi, je vois ta petite dégueu. Hop, ça c'est fait. Alors, il y a le méchant ici. Quoi? Il s'est amélioré. Il est insensible aux dégâts d'attaque maintenant. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Attends, je reteste. Bon, déjà, je le rate, donc c'est pas bon. Hein? C'est parce qu'il est insensible ou... ou je tire comme une merde? Attendez, on va retourner voir ses faiblesses. Peut-être qu'il en a une de moins maintenant. Ce serait vraiment de la merde. Ah ouais, il est devenu insensible. C'est quoi maintenant? Il se prend des dégâts par attaque furtive. Et des dégâts par coup final au combat. Ah, c'est la merde. Il faut... Bon, déjà, il y en a un qui veut mettre l'alerte. Ça, c'est vraiment caca. Donc, attendez. Ah ouais, non mais... Je vois pas trop comment on va pouvoir s'en sortir là. Il fait trop de dégâts. Ouais, en fait, il enlève mid-life par coup. Ah ouais, d'accord. On va aller drainer furtivement l'autre là. Il y en a, ils sont vraiment pas aware. Hein. C'est la guerre mondiale à côté, mais ils le remarquent même pas. Vas-y, donne-moi ça encore. Voilà. Et la tête explose, mon gars. Donc, on va libérer le Caragor. D'ailleurs, j'espère qu'il a pas une haine des Caragor ou une connerie comme ça. On va vérifier. Parce que sinon il va devenir plus fort. Ah, c'est compliqué comme jeu quand même. Hein. Alors, sans peur. Ok. Tata, guéri au combat. Bon, il a l'air... bon, les Caragor, c'est la base pour lui. Mais il a pas de haine, donc c'est tant mieux pour nous. On va essayer de grimper dessus. Putain, il s'est enfui direct attaquer un Uruk. Attends, alors toi déjà. Ah, parce qu'apparemment, dans le roman, c'est Uruk. Et après, ça s'est transformé en Orc. Je crois, hein. Ce que j'ai compris. Alors attends. Ce qui serait cool, c'est que... c'est qu'il me laisse le grimper, quoi. Attends, on va l'avoir, on va l'avoir. Parce que le Caragor, s'il rencontre le chef de guerre, je vous le dis, il va mourir instant. Il vaut mieux que je sois sur son dos. Hop. Triangle. Allez, on va l'attaquer. Ah, ils ont déjà activé l'alarme, merde. Allez, on les défonce, on les défonce. Oh non, c'était lui qui avait la haine des Caragor. Putain, ils ont tout prévu, hein, c'est pas incroyable. Oh non, mais c'est la merde. Ça va être la grosse merde, parce que du coup, s'il a la haine des Caragor, bah déjà, il est plus fort. Et il suffit qu'il arrive à me caler une flèche, je suis fini normalement. T'aurais dû rester dans ta tombe, Limas. Tu vas très bientôt y retourner. Vas-y. Fais le péteux, là. Ah, donc mon Caragor est déjà décédé. Dégage. Putain, 30 ans pour s'enfuir ce connard. On va essayer de les amener vers leur fût de grog. On va les faire exploser tous d'un coup. Je pense que c'est la technique la meilleure à adopter, quoi. Allez, on va attendre qu'ils viennent. Venez, venez. Venez tous vers le fût de grog. Venez exploser en toute sincérité. Boum. Ensuite. Non, mon gars, non, 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 non. Hop, 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 hop. Là. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Ne vous inquiétez pas, je prends pas de dégâts d'explosion. Je sais pas pourquoi, mais c'est cool. Oh, le chef de guerre, il s'est pas déplacé? Il me semblait qu'il avait explosé. Oh, merde, mais... Je prends des dégâts, je sais pas. Et il est là, le chef de guerre, maintenant. Ah, c'est lui qui me mettait les dégâts. Putain, mais c'est un sniper. C'est un putain de sniper, le gars il est à 3 km, ça va quoi. Bon, il va falloir que je les amène encore sur des sur des trucs explosifs. Vous avez vu que j'en ai éliminé déjà pas mal. Grâce à cette stratégie. On va essayer de les amener là. On va leur faire tomber les insectes dessus. Bon, on va devoir utiliser toute la map à notre avantage quoi. Déjà on va en tuer quelques-uns. Hop. Hop. Ouais, là j'en tue pas mal, c'est cool. C'est cool pour moi ça. Ah
Non. Faut mourir un moment, monsieur. Toi, tu t'es pris deux flèches quand même. Hein. Voilà. Là, je suis devenu headshotter professionnel. Vous avez vu que ben voilà, les renforts ont disparu. Oh, lui, il est insensible. Allez, c'est une flèche pour rien. Il y a un ennemi là. Ah non, ça c'est moi. Oh là là, les renforts, merde. Il faut que j'en prenne un. Toi, viens ici. Il n'y a pas vu. Viens là. Vite, faut que je draine rapidement, sinon les autres vont me tabasser là. Je me tire. Tac, concentration. Allez, les insectes. Non. Les insectes. Voilà, ça tombe. Boum. Allez. Je pense que là, ça va faire des damage, ça. Allez, on continue. Toi, je te défonce. Hop, on passe derrière. On va en achever un. Hop. C'est pas... Oh wow, il est pas content, lui. Esquive, mais... Putain, il y a des moments où on est bloqué, c'est vraiment débile. On va faire du repérage. Là, il y a un truc d'insecte. On va les faire passer dessus. Par contre, Croche la langue, il a rien perdu encore. Hein. Ils prennent des dégâts un peu. Tout à l'heure, il n'y a que ses acolytes qui souffrent, mais j'aimerais bien qu'ils prennent des damage lui aussi. Ah, il y a un Karagor là, on va le libérer sur lui. J'ai tué... je sais pas, il a plus le capitaine là, sniper qui le suit. T'as l'explosion de tête. Laisse tomber. Hop. Qu'est-ce que t'as voulu faire, toi? On va passer... Oh, il est là. Il y a le chef. Tac. Hop. On va libérer le Karagor sur lui. Voilà. On se tire. Voilà. Allez, Karagor, il va bien les emmerder. Pendant ce temps-là, on va tuer ses acolytes encore une fois. Là, vous avez vu que je suis vraiment devenu fort. Hein. Là, déjà, je serais mort depuis 30 ans. Attendez. Tu sais quoi? On va faire ça. Hop. On va tuer ceux qui sont de ce côté-là. Allez, c'est l'enchaînement. Explosion de tête. Voilà. Non, faut pas descendre. Tac. Allez, on va faire le même schéma. On va le drainer, lui, par contre. Voilà, comme ça, on récupère des tirs d'elfes. Ouf. Oh là là, c'est combo. Oh, hop. Tac. Toi, le berserk. One-shotage. Ah, il y a le mec à la haine des Karagor là-bas. Ah là, il est sensible, il est ultra sensible. Ah, il prend vraiment des dégâts, c'est cool. On va drainer. Tac. Hop. On va faire un achèvement. J'ai pas réussi. Ah, je me suis trompé de touche aussi. C'est pas grave. C'est pas trop grave. J'espère juste qu'ils ont pas des renforts infinis. Parce que c'est vraiment ça ma crainte, c'est que j'ai l'impression à chaque fois il y a des renforts à l'infini quoi, c'est pas croyable. Il devrait y avoir une limite d'or quand même. Voilà. Pour l'instant, je les défonce tous, mais si c'est pour rester 4 heures sur le même truc, voilà quoi. Bon, par contre, il y a le chef, vaut mieux se barrer là. On va essayer de trouver d'autres pièges. Technique, ça va être vraiment de neutraliser sa petite armée là. Prenez celui-là furtivement. Là, on continue. Voilà. Ah non, mais il reçoit encore de l'aide, c'est pas croyable ça. Il y a un truc d'insecte ici. Et son capitaine, il a récupéré de la vie. Mais. Ah, c'est chiant, hein. Je sais pas comment ils veulent que j'aille à faire quelque chose comme ça. Laissez-moi péter ça. Laissez-moi péter ce truc. Allez. Il a failli me mettre à terre. Ça aurait été vraiment très gênant. Hardcore de chez hardcore. Hop, headshot. Ah, là-bas. On va le tuer comme ça. Voilà. Là, ils vont tous se ramener là où c'est explosif. Ah bah, déjà, il y a le feu ici. Boum.
Tac, on saute. Là, il y a encore un truc qui va exploser. Il meurt? Non, il meurt pas. Bon, de toute façon, je lui mets quelques coups. Et son compte est réglé. Explosion de tête. Ok. Bon. Je crois qu'on s'est occupé de tous les soldats, là. J'espère. Hein. Bon, on va s'occuper du sniper, maintenant. Il n'y a plus de soldats, apparemment. C'est cool, ça. C'est vraiment très goudou. Hop. Headshot. Hop. Hop. Allez, il est faible. Il y a l'autre qui se ramène. Il se met devant. Il a bloqué l'attaque. C'est ce que je craignais. Super, ils ont fait spawn des trucs là. Pour le coup, ça m'aide. Là, ça va m'aider. Falloir que je lui fasse un drainage furtif. Voilà. Oh non, il ramène plein d'armées maintenant. Enfin, plein de soldats encore. Tac. Ah non, ça sert à... Bah si, allez, hop, c'est pas grave. Boum. Capitaine, il récupère trop de vie, lui. Esquive. Je sais comment faire. Je sais comment l'avoir, le capitaine. Tac. Et là, je vais gaze tous ces soldats. Hop, hop, hop. Non. Merde. Hop. Hop. Tac. Meurs. Yes. Allez, on a fait le gros. On a fait le gros. On va attirer tous ces soldats sur un truc explosif si je peux. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils auront pris de faire un jeu aussi dur d'un coup. Putain, tous les trucs secondaires, etc., c'est tranquille. Mais alors, au moment où tu t'attaques à un chef de guerre, wow. Faut avoir les nerfs bien accrochés, hein. Allez, on va les amener là. Bon. 11 morts. Regardez, il y a vraiment renfort infini. Hein. C'est n'importe quoi. C'est du putain de bullshit. Je suis d'accord qu'ils aient sonné l'alarme, mais quand même, au bout d'un moment, j'ai tué tous les orques du Mordor, quoi. Vraiment n'importe quoi. Allez, drainage furtif. Encore drainage furtif. Voilà, tête explosée. Allez, déjà, toi, tu vas mourir. Putain, mais c'était parfait tout à l'heure. Il était sensible aux attaques à distance, le chef, là. J'aurais pu faire quelque chose, mais maintenant, c'est du furtif auquel il est sensible. Comment tu veux que je le mette en furtif? Le mec, il m'a cramé depuis 30 ans, là. Alors, toi, tu vois, toi, là-bas. Hop. S'il vous plaît, combien de meurtres je viens de faire, déjà? Combien d'orques j'ai tué? Il devrait y avoir plus personne, maintenant. Et en plus, j'ai pas compris pourquoi ses faiblesses à lui, ils ont changé, là. Je crois que c'est n'importe. Voilà. Le chef, il est là-bas. Ah bah, il sait plus trop où je suis, apparemment. Vu qu'il a juste la vigilance. Donc on va le laisser me perdre. Voilà, on va le laisser comme ça. Là, il y avait une rune à récupérer. On va la récupérer, justement. Voilà, voilà, comme ça. Peut-être que l'alarme va s'arrêter. Parce que c'est vraiment ça qui me met dans la merde. Récupère ça vite. Allez, on se bat, on se bat, on se bat. Il va falloir qu'on se cache dans la forteresse. C'est par là. Ah non, ça va. Essayez de la sauter direct, lui. Y'a pas de Karagor par ici? Regardez-moi tous ces putains d'ennemis là. Là, je vais sortir de la zone, non? Si je vais par là. Ouais, est-ce qu'il y a des ici? On va se cacher dans les montagnes, je pense. Voilà, voilà. Ils vont arrêter de me suivre, je pense. Et on pourra reprendre tranquillement avec, avec cet ennemi. Ça arrête l'alarme ou... Ou elle est infinie. Elle est mise en pause, on va dire. S'il vient vérifier le buisson, je pète un câble parce qu'il a aucune raison de venir vérifier.
Enfin, surtout qu'il vérifie jamais, comme par hasard, il vérifie que quand t'es là dans les jeux vidéo, tu sais. Allez. Est-ce qu'ils vont perdre leur vigilance maintenant? J'ai l'impression qu'ils commencent à se réinstaller. Ah oh, putain, regardez-moi ça. Eux, à tous les coups, ils vont me trouver. Hein. Attendez, c'est pas possible, ils vont pas me trouver. S'ils me trouvent, je pète un câble parce que jamais ils pensent à vérifier les buissons. À part si t'ont vu rentrer dedans, évidemment, mais... Jamais. Genre, ils ont vérifié tous les buissons, tu sais. Juste moi, regarde, juste moi. S'il vous plaît. Ils rangent leurs armes. Ça y est. Oh, la forteresse redevient normale. On va attendre qu'ils rentrent tous chez eux, parce que c'est des renforts, eux. Hein. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Et on pourra peut-être aller attaquer le chef tranquillement. Alors, on va attaquer celui-là pour drainer. Voilà, encore. Et tu peux le tuer maintenant. Là, celui-là, il avait des ressources. Hein. Alors, donc, le chef, on va faire ça pour le repérer. Voilà. Donc, ça va être des dégâts par attaque furtive. Hein. Putain, mais on peut pas one-shot les capitaines en plus. C'est-à-dire que je vais lui faire une attaque furtive. Et derrière, il va falloir que je me batte contre lui. Mais je sais pas comment je vais réussir à donner quelque chose d'intéressant. Il a un bouclier et tout. Je pense que je peux pas passer derrière lui. Non, ça va pas... Ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Va falloir vraiment m'expliquer pourquoi vous avez fait un truc aussi dur, quoi. Voilà. Il est accompagné de pas mal de copains. Meurs maintenant. Voilà. Allez. On peut caler une attaque furtive sur lui. Oh non, il fait le tour. Là, il se révèle à toute la bande, là. Faut qu'il revienne un peu vers moi, dans un endroit caché. Il va revenir, il va revenir. Est-ce que je peux l'attirer? Ça serait bête de l'attirer, je sens que... Je sens qu'il va me faire un coup bizarre. Allez, viens par là, viens par là. On va l'attirer, c'est bon, on l'attire. Tiens, connard! Oh, il a perdu, v'là la vie. On lui met le rond, on peut pas mettre le rond. On peut faire ça, non. Comment je vais faire, comment je fais là? C'est quoi la solution? Insensible aux attaques à distance, évidemment. Ah si, on peut lui passer derrière. Yes. C'est bon, tu vas mourir mon gars. T'es condamné. Fais lui. Yes, on va tuer le chef. Ah t'es... Ah ouais, là t'es ultra sensible mon gars. Boum. Ah oh, je suis content. Vous pouvez savoir à quel point je suis content. Tout cet entraînement. Enfin concrétisé. Vas-y, achève-le. Mais... Oh non, mais il y a des moments où ça déconne aussi comme ça. Bon, c'est pas grave. On lui passe encore une fois derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. J'espère qu'il... Non, je crois pas qu'il ait haine de la défaite. S'il a une haine de la défaite, je deviens fou. Les cris que ta si jolie femme poussait, même dans la mort, je ne les oublierai jamais. Yes! Oh putain! Ça nous a pris combien? 20 minutes, je crois, pour finir cette mission. Waouh! Enfin, depuis le début de l'épisode, quand on était sur la mission, mais je veux dire en un coup là. Sur le début où on l'a lancé, et maintenant qu'on l'a réussi avec toute la course que j'ai faite, ça a dû prendre 20-25 minutes, c'est incroyable! Oh là là, j'aurais pas fait toutes ces missions secondaires, j'aurais eu aucune chance. Hein. C'est vraiment parce que j'étais cheaté. Alors toi, tu fermes ta gueule, voilà. Pauvre merde. Donc bah voilà, on a réussi à tuer le deuxième chef de guerre sur les 4 requis.
pour continuer la mission principale. En tout cas, nous, on va se laisser sur ça pour cet épisode. J'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment en ma compagnie. Et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.